Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, on délaisse notre bon vieux RAM. Alors vieux, pas tout à fait, mais ça dépanne bien et on s'attache à ce véhicule. Aujourd'hui, on va vous faire découvrir une M4. Alors un format différent puisque le planning étant vraiment chargé, on vous fait cette vidéo un dimanche. Donc pas de tenue de travail, maintenant non plus. Et on voulait absolument vous faire partager ce projet M4. C'est un petit projet, vous l'avez très légèrement entendu. Alors, voiture pleine d'options, dont la musique. Et en fait, elle chante pas du tout. Vous le savez, les voitures récentes sont fapées. Et ça va être simple. On va défaper cette voiture. C'est une première chez Brez Motorsport. Une autre va suivre. Donc, cette vidéo sera un format, à mon avis, assez court. Et c'est parti. On va découvrir cette voiture ensemble, la modifier. Reprogrammation moteur, suppression de la partie... la front pipe, en fait, toute la partie avant de l'échappement, on va garder les downpipes, donc il y aura encore des catalyseurs. On va supprimer le milieu, ce qui se situe finalement sous nos fesses. Et puis, on va garder le silencieux arrière, puisque vous l'avez vu. Maintenant, on adore le look du silencieux M Performance avec les deux sorties en haut et les deux sorties en bas. C'est très particulier comme la calandre, mais maintenant, on a toujours adoré. Donc, moi, j'ai un petit temps d'adaptation, mais je crois que ça y est, c'est fait. Et bref, on adore cette voiture. Cette voiture, parce que bah forcément on va parler de la config. On a un intérieur carbone, on a un liseré bleu là qui suit toute la planche de bord et un petit peu sur les panneaux. On a des inserts carbone sur le volant également, toute la console centrale. C'est une M4 compétition, donc 510 chevaux, hein, le moteur S58. On n'en a pas parlé, c'est vrai, sur notre chaîne. Allons un petit peu dans les détails. M4 compétition coupée, puisque la M4 est une coupée, la M3 est une berline. Il y a une M3 break qui est arrivée. Et pour parler des options, on a quand même un black panel, on a le cuir étendu, on a un mode M1, M2 avec des petits boutons rouges, le bouton de démarrage qui se situe ici qui est rouge, on a le volant chauffant, on a vraiment une belle voiture au final, et on a les sièges confort. Alors on aime bien la sportivité d'une voiture, mais nous on compare ça à un RAM. Alors c'est exagéré, mais c'est l'utilisation qu'on aimerait avoir de ce type de voiture, et non pas du tout une pistarde, surtout quand on a un troisième passager qui nous demande un petit peu de place. Donc une M3, ce serait génial pour compléter un petit peu notre cheptel de véhicules. C'est quand même dynamique. Il ne faut pas oublier que chez BM, on sait faire des voitures dynamiques. Ça tient la route. Même un X5, on se surprend à taquiner. Donc, cette voiture est quand même plus grosse. Hein, si on doit critiquer un petit peu les modèles M, c'est qu'ils sont de plus en plus gros. À savoir que cette voiture est à la base une M5 F10. Alors, ouais, ça taquine. Et en fait, une M5... intermédiaire, en fait, c'est la précédente qui a servi de base pour cette M3 M4, ce qui fait que la voiture est assez grosse. Elle se retrouve avec une boîte ZF 8 rapports et non pas une DCT, une DKG, une double embrayage, donc hyper confortable. C'est beaucoup plus facile de manœuvrer. Et c'est pour ça qu'on se projette plus dans un délic, dans une pistarde. Finalement, il y a quand même une M4 GT4 qui est sortie pour faire des courses. Il y a aussi une GT3, mais là ça n'a rien à voir. Et on va découvrir ensemble cette voiture qui est propulsion. Il y a aussi maintenant des X-Drive. Alors c'est assez abominable pour une M, mais en fait c'est très très efficace. J'ai eu l'occasion il y a un an à peu près, peut-être un petit peu plus même, d'essayer une M4. J'avais été bluffé par le dynamisme et les performances de cette voiture avec un moteur complètement fou, puisque ça consomme très peu. Et dernièrement, j'ai essayé une M3 berline X-Drive. Donc cette voiture, cette deuxième, va arriver en projet bientôt chez Brez Motorsport. Mais là, aujourd'hui, on va juste parler de celle-ci. Franchement, les premières sensations sont vraiment bonnes. J'avais oublié, comme chez BM, on sait bien faire des voitures. Et aujourd'hui, ça nous manque une BM. On a eu quand même 20 ans de BM dans notre passif. Et aujourd'hui, je pense que ça nous manque vraiment. Avec la bague rouge assortie aux palettes. Il y a un peu trop de vitesse. Et ouais, il y en a 8 comme je le disais, et c'est ce qui rend aussi la voiture confortable, parce que c'est ce qui fait qu'elle consomme moins, et parce que la DKG c'était 7 rapports.
Alors tout se situe hein, sur la console. Finalement, je trouve ça plutôt pratique. On a ici le M-Mode, les setups, les valves. Allez, tiens, on va ouvrir les valves. Hein. C'est ce qui nous amène aujourd'hui à faire cette vidéo. C'est qu'en fait, finalement, elle fait quand même assez peu de bruit. Hein. De toute façon, qui dit FAP dit frustration un petit peu quand même. La dernière fois qu'on a acheté une M4, ça s'est quand même mal terminé. Hein. La voiture était super, mais difficile le retour en arrière. Vous le savez, ça finit en voiture de course. Alors, on va parler un petit peu du menu. C'est vraiment pas mon truc, ce genre de... Finalement, je joue très peu avec ça. Mais alors là, c'est quand même intéressant, puisque au-delà des options, on a quand même toutes les options qu'on peut configurer via les petits boutons qui sont là, M1, M2. Et ici, on va pouvoir configurer ces tactiles. Ça marche super bien et c'est quand même très joli, faut dire ce qui est. Et là, on configure le mode M1. On revient, alors je ne vais pas y toucher, je vais toucher au mode M2 et on peut choisir de mettre le moteur en sport, la boîte de vitesse en plus ou moins énervé, alors en S3, ah ben c'est un petit peu comme avant et ensuite on a toutes les directions en mode sport et on va laisser un petit peu de DSC, on va le mettre en MDM, donc MDM c'est un mode un petit peu plus permissif et maintenant on va pouvoir appuyer sur ce bouton M2, il faut que tu confirmes. Et voilà, donc on est en mode sport, on a un mode M dynamique et on a un petit logo qui s'est allumé ici pour dire qu'on a un petit peu moins d'assistance de pilotage. Alors vu comment je t'ai vu déraper hier avec la ZR1, attention avec la pédale d'accélérateur. On peut pas dire que Manon taquine vraiment, mais clairement les valves sont ouvertes. Vous avez entendu quelque chose? Moi j'entends rien. Il va vraiment falloir remédier à ça. C'est quand même une M4. Faut que ça fasse un peu de bruit. Mais pas trop, juste ce qu'il faut. Alors cette M4? C'est bien. C'est bien? Ouais. Juste bien? Ouais. Et la biche, elle dort. Bon. Accélère un peu. Essai dominical terminé, maintenant rentrons dans le vif du sujet, la préparation de cette voiture. Alors ce qui est bien dans cette petite balade hier, c'est qu'on n'aurait pas pu le temps de vraiment échanger avec vous cette découverte, puisque c'est assez impressionnant, hein. Maintenant je suis du bon côté, du côté conducteur, comme ce degré de finition, ce niveau de finition chez BMW est... C'est impressionnant, hein. Il n'y a pas ça, c'est pas toutes les marques qui savent faire aussi bien des intérieurs notamment, et les ajustements extérieurs au niveau des ailes, des pièces de carrosserie, c'est très bien également. Le confort du siège, pour avoir quand même eu quelques X5, je trouve que BMW sait faire des sièges, il y a beaucoup de maintien mais beaucoup de confort. Et après ensuite on va parler de cette voiture et de son comportement sportif, puisque BMW c'est la marque pour moi qui est la plus dynamique, on l'a déjà dit, et derrière le volant on s'en rend tout de suite compte, c'est hyper maniable, il y a quand même beaucoup de train avant, la boîte avec ses 8 rapports est hyper confortable. J'ai pu faire un petit tour ce matin et j'avoue que on retrouve l'esprit BMW dans cette M4, même si le look a quand même beaucoup changé et la voiture sur cette plateforme de M5 F90, si je dis pas de bêtises, est quand même assez grande, hein. Le passager est hyper loin. Les voitures grossissent, hein, c'est propre à tous les constructeurs. Les réglages de siège sont parfaits, le volant est parfait, enfin vraiment l'interface tombe sous le bras. On a vraiment envie de faire des bornes avec cette voiture et je trouve que le côté... Alors c'est toujours délicat d'aborder ça, mais les BM sont très polyvalentes, mais sont aussi des voitures
très dynamique, mais du coup, il y a un moment, la rencontre entre ce dynamisme et cette polyvalence crée une voiture quand même assez dure à conduire parce que c'est lourd, parce qu'on a quatre vraies places, on a un vrai coffre, on a une voiture qui est assez haute finalement par rapport à une Porsche notamment. C'est vraiment les deux voitures qui se clash un petit peu parce que si on oublie la place que procure la M4 comme hier, on va tout de suite, une Porsche c'est quand même beaucoup plus dynamique. Mais attention, ici il y a beaucoup de moteurs, c'est impressionnant comme finalement le côté X-Drive de cette M4 ou M3 d'ailleurs n'est absolument pas déconnant parce que je me suis fait surprendre plusieurs fois. On est en confort, on est deux fois exactement, on est en confort, on a toutes les aides qui sont allumées, on accélère un petit peu sur une voie d'accès alors que la voiture est en PS4S, un bon pneu, et voilà, un petit coup de raquette quoi, c'est une BM, une vraie. Alors la maniabilité de la voiture, hein, on compare avec un RAM, hein, c'est vrai que c'est un petit peu les extrêmes, mais notamment je serais curieux de, j'ai déjà essayé des RS6 hein, qui est pour moi la concurrente direct, surtout pour la berline ou pour le break, et bien ça, on sent tout de suite qu'on a quand même beaucoup plus de train avant, c'est beaucoup plus maniable, la direction est juste parfaite, on lit la route, c'est vraiment bien. Amortissement un petit peu raide finalement, c'est comme ça que la voiture est aussi efficace, et freinage très bien. Alors l'endurance, je pense qu'il faudrait des plaquettes adaptées, c'est le minimum, mais on a un toucher de pédale qui est vraiment bien. Elle n'a pas les céramiques celle-ci. C'est dommage, il commence à pleuvoir et c'est vrai que ça va pas aider ce côté 500 chevaux, 650 Nm si je dis pas de bêtises, c'est sûr que ça va pas aider à motricer plus. On peut appuyer sur le bouton M2, on confirme, hop, et là on se retrouve en mode un petit peu plus énervé. La boîte en mode cruising, c'est vraiment bien. Avant de lancer les hostilités concernant l'échappement, là on est en mode sport donc c'est ouvert, on entend un tout petit peu de retour, ça pétarade mais on n'entend rien, et c'est certain, cette voiture a un système sonore dans les enceintes pour vous faire croire que la voiture fait du bruit, ça crée un espèce de, enfin ça crée une ambiance, mais c'est pas le pot d'échappement qu'on entend, on l'entend, enfin on l'entend mais vous allez pas le percevoir. La boîte est impressionnante, hein. On est vraiment loin de la dégager. Et j'ai été surpris qu'on retrouve cette boîte de vitesse sur la voiture de course, sur la GT4. Puisqu'on en croise en UCS. Les ceintures, c'est apparu avec la M2 compétition, on s'en passe plus. Le petit strip BM, c'est cool. Attendre qu'il fasse beau pour pouvoir vraiment accélérer. Est-ce qu'on va pouvoir le faire avec celle-ci? Je vous l'ai dit, c'est une vidéo qui est prise par un timing serré entre justement la deuxième manche du CS à Navarra et puis le travail, bien évidemment, puisque les vidéos ça nous prend beaucoup de temps, mais on est content de le partager avec vous et on voulait pas louper cette fameuse M4. Allez, on rentre au garage, c'était juste un petit tour pour prendre les repères et bien s'imprégner de cette voiture. Maintenant on va déballer les pièces Super Sprint puisque là on rentre vraiment dans la prépa. Reprogrammation pour faire en sorte que la voiture puisse rouler sans FAP, donc stage 2. On va aussi augmenter la puissance, on aurait pu ne pas le faire mais vu les contraintes qu'impose cette reprogrammation puisque le boîtier est encore verrouillé chez BMW, c'est pour ça que c'est pas si simple de les faire. On va perdre un peu de temps et la logistique va être encore un petit peu plus compliquée. Pour revenir sur l'échappement, plusieurs configurations possibles. On peut faire de l'Acra, on peut faire du Super Sprint, il y a pas mal de marques. Et la radio se met en route, je ne sais pas pourquoi. Alors, on a choisi Super Sprint parce que on garde le silencieux M Performance, donc ça c'est top. Et on peut choisir une configuration plus ou moins sonore de la partie avant. On a pris la configuration la plus sonore. Alors pour le coup, on va découvrir ensemble. Ça devrait être pas mal. On garde les catas primaires. Donc une ambiance sonore à mon avis maîtrisée, mais beaucoup plus présente, vraiment. Alors,
remarque intéressante, hein, cette voiture a du train avant, à savoir que chaque nouvelle génération de BMW élargit globalement sa forme, sa taille, mais aussi ses pneus. 275 à l'avant, pas de céramique je le disais, mais c'est pas mal, on a les étriers rouges, c'est vraiment sympa. Et puis à l'arrière 285, 30, 20, donc ouais c'est gros. Par contre les étriers sont moins beaux derrière, on a un étrier qui fait un peu, bah voilà c'est un étrier flottant. Alors pour la config, hein, la couleur, vous aimez, vous aimez pas? On attend vos réponses et vos commentaires. Les sorties d'échappement, ben, on s'y fait plutôt bien. Un truc qui m'a choqué hier en faisant le tour de la voiture, c'est... Alors, les voitures sont chères. Franchement, pourquoi? On se pose la question. Ici, vous voyez, le diffuseur intègre le cache pour l'anneau de remorquage. Donc, imaginez, si vous perdez cette petite babiole ici, en temps normal, ben, ça va vous coûter 30 balles. Et ben là, le morceau en carbone est intégré. Donc, alors je sais même pas si en changeant le diffuseur ici pour les silencieux MPerf, on n'est pas obligé du coup de changer ça aussi. Donc ça, c'est la petite chose qui tue. Alors par contre, je parlais d'ajustement, bah voilà, ça se passe très bien. Donc on change de silencieux, du coup on change de diffuseur et peut-être que du coup on est obligé de changer ça. Un truc, on va essayer de remplacer ça en un délai record. On va aussi lui installer des cales parce qu'on est quand même un petit peu loin des ailes. Donc on va lui mettre ce qui va bien. À l'avant comme à l'arrière. Maintenant, allons voir ce qui se passe du côté des pièces qui arrivent au garage. J'en profite pour vous faire partager cette voiture. Donc, Super Sprint, un carton. Alors, ça tient dans pas grand chose, hein. On va déballer ça tout de suite. Analysons un petit peu comment c'est fichu. Alors, à noter qu'on s'est tous dit que Super Sprint avait bien augmenté la qualité de ses soudures, puisque on voit que tout a été fait ici avec précision. Alors, même si c'est pas trop mal d'habitude, là on sent vraiment que c'est mieux. Alors, divers colliers, hein, ça va permettre de l'assemblage. Hop, le cutter, c'était pour le déballage. Alors, ici on va sortir des downpipes. Donc, au-dessus, on va vers le moteur catalyseur. Ici, on supprime. Les catas secondaires, les FAP, et là on a le silencieux intermédiaire qui est supprimé par ce H. Donc on pourra comparer ça sur la voiture. En tout cas, je disais, c'est plutôt chouette, c'est plutôt balèze en diamètre. Et je pense que ça va faire du bruit. Passage au banc de la voiture stock et BMW tient ses promesses puisque nous sommes à 505 et 507 chevaux sur deux tiers différents. On voit bien que c'est un moteur qui est quand même hyper couplu, hein. Ça se passe super bien, hein. Et pour la courbe de puissance, eh bien, ça monte droit au but. Pas de souci là-dessus, 505 chevaux sur ce tiers. Donc c'est bien, mais par contre le bruit est toujours rien. C'est le moment de différencier un petit peu l'original et ce qu'on va monter en pièce perf, et ça a vraiment pas du tout la même tronche parce que vous voyez au-dessus de ma tête ici on a un cheminement, ici on sort des turbos à cet endroit, on part via ce tuyau rejoindre le silencieux intermédiaire, en fait celui qui est sur la partie arrière, là on a deux éléments de filtre anti-pollution et là on en a un de chaque côté. Donc je vais retourner la caméra pour vous montrer, mais en fait ça va bien simplifier les choses le côté Super Sprint. Alors le côté Super Sprint c'est ça, hein. On a les deux turbos, je reviens là-dessus mais c'est important, tchouk tchouk tchouk, et on va aller rejoindre, hop, l'intermédiaire. Alors que ici, si on revient sur la sortie du moteur, on a les deux turbos qui sont reliés à la ligne d'échappement par ici. Donc un des deux turbos et ici le deuxième. Celui-ci décide d'aller côté conducteur se promener pour ensuite aller rejoindre l'ensemble
ici juste derrière la boîte. Au passage que le carter de la boîte est en alu, c'est assez rare pour être souligné. Et d'ici on voit très bien le cheminement, hein. Un côté et là cette boucle qui sert en soi pas à grand chose, qui va disparaître pour rejoindre tout l'ensemble de la ligne ici et qui se divise ensuite à la fin dans le silencieux M Performance. Donc là il n'y a pas de modification, donc c'est une prépa assez intéressante puisque là on se fixe sur la ligne avec de la visserie et là en fait on va se fixer à l'intermédiaire qui n'est pas présent, qui est ici. Et avec ces morceaux, on va venir se fixer sur la ligne M Performance, hein, qui a déjà été... En fait, la ligne d'origine a été coupée pour installer ce silencieux M Perf. Et donc, en haut, puisqu'on a la vue sur ce morceau, on a encore deux éléments anti-pollution. Donc, on a les katas, des FAP, enfin des katas primaires, katas secondaires et des FAP. L'installation est terminée. Allons voir ce qui se passe sous la voiture. Comparaison. Stock versus Super Sprint. À notre droite, là, il n'y a plus rien côté conducteur. Ici, on a les deux turbos qui se rejoignent dans cette grosse partie, le tube. Ici, plouc, plus d'intermédiaire. Et on rejoint le silencieux M Performance. Alors, cette ligne d'origine, qu'est-ce qu'elle devient ? Eh bien, on va la stocker au cas où. Mais alors, c'est le moment de pouvoir vérifier qu'est-ce qui nous amène en fait à enlever tous ces morceaux. Donc, on va le vérifier. La première partie, celle qui est ici, donc c'est bien un catalyseur. Alors, c'est pas évident de vous le montrer, mais si, là, on le voit bien, c'est le cata. Donc, ici, ce sont des FAP. Deux gros FAP. Et là, c'est le connecteur qui nous permettait de lier en fait hein, la partie gauche à la partie droite. Hop là, dans ce sens. Enfin, il l'est, hein. Il est très réactif. On va le fermer. Ça n'a pas l'air casse-oreille. C'est pas pareil. C'est beaucoup mieux. Et ça y est, on l'entend, le pop and bang et les petits retours. Alors, c'est pas du pop and bang x12000 exagéré qui explose. C'est plutôt cool. C'est... Ouais, c'est des tout petits trucs. Ah oui, arrive à 3000, c'est pas pareil. Vas-y, ferme les valves pour voir. Ah oui. Alors si tout se passe bien, vu que la voiture n'est pas encore reprogrammée, elle va se mettre en mode dégradé aux alentours de 3000-3500 tours, si c'est comme sur les versions précédentes. Alors petite prise de son, si on arrive à faire un truc de correct sur la route pour bien se rendre compte. Et c'est plutôt métallique, j'aime bien. Ça fait vraiment BM.
j'ai envie de dire, fallait bien ça. On n'est pas sur la version la plus sonore, et on est sur la version la plus sonore, pardon, on n'est pas là sur la version avec un intermédiaire pour remplacer celui qu'on a enlevé. Et ben c'est bien, ça a l'air vraiment bien à vérifier que maintenant en stabilisé, on n'est pas des fêtes drones ou ce genre de choses qui gâchent vraiment la fête. Elle est devenue vraiment cool cette M4. Alors attention, elle n'est pas encore reprog, donc je m'attends à un mode dégradé, pas à 3000 tours en tout cas. C'est pas le mode dégradé là qui m'impressionne, hein. Ah bah 4000 ça chante vraiment. Attends de sortir de la civilisation pour aller essayer un petit peu mieux cette voiture. Quand les pneus sont pas hyper chauds, mais à côté de ça, on a l'impression que ça monte de manière très progressive. Et on peut en profiter, elle s'est pas encore rendue compte qu'elle était défapée. Vous avez vu comment ça bouge une BM? Plaisir. Hâte de voir le rendu final. Hâte de voir le rendu final. On a la sonorité, il va y avoir les petits détails esthétiques. Le score sur le banc, ça c'est quelque chose qu'on attend, hein. C'est quand même beaucoup de chevaux et beaucoup de couple à la finalité. Et puis j'espère être là pour le voir surtout. Le timing, je vous l'ai dit, cette vidéo a commencé en sachant qu'on n'aurait peut-être pas eu le temps de... Enfin, je n'aurais peut-être pas le temps de participer à la fin, mais ce ne sera que partie remise puisqu'une autre G80 arrive. Alors si on se revoit pas, qu'en avoue. Finalement, me revoilà. Alors, je voulais vous dire bonjour en breton, mais je ne sais pas comment on dit. Parlons maintenant de cette M4 compétition. Passage au banc qui honorait le score qu'annonce BMW. On était dans les clous. La préparation est terminée. C'est une réussite. Elle fait vraiment un super son. La configuration Super Sprint avec le M-Performance à l'arrière est vraiment un bel ensemble, ça sonne bien, ça maîtrise le budget, hein, clairement, hein, on n'est pas sur le prix d'une ligne à Cracovie ou ce genre de choses. La partie carto est terminée, et on a également installé des cales du vraiment plus bel effet. Donc on va vous mettre plus de détails et on va essayer de vous mettre les tarifs soit à la fin de la vidéo, soit dans la description de cette vidéo. Et j'avoue que je suis assez content de cette réussite. Alors maintenant, je vais faire quelque chose d'assez absurde. On va laver la voiture, puisque ça fait quelques jours qu'elle est ici, un peu plus. Et elle commence à être un petit peu poussiéreuse avec notre chantier à côté.
Je dis que c'est assez absurde de laver une voiture puisque, vous le savez, ce modèle est propulsion et on lui a ajouté un petit peu 210 Nm quand même. Donc vous le savez, hein, notre banc est pessimiste. Et bien en l'occurrence, pas tant, puisque on est sur un stage 2 avec la conservation des catas primaires, donc ceux qui sont en sortie de turbo, qui sont finalement les plus restrictifs. Donc on a quand même viré les FAP, on a viré les catas secondaires, soyons clairs là-dessus, et on a bossé sur la carto. Donc 200 chevaux et quasiment 650 chevaux. Alors le meilleur des tirs qu'on a pu avoir avec les tempêtes d'admission, parce que bah, forcément, hein, vous le savez, la voiture, elle corrige, elle aime avoir de l'air. Et là, ça rigole pas. Hein. On est donc à 626 chevaux sur le tir qu'on a fait là juste avant. On en fera peut-être quelques-uns. Et puis, on est à plus de 100 Nm, quoi. C'est juste la folie. Allons vérifier ça sur la route et faisons-la toute belle, très rapidement, en essayant de ne pas mouiller les pneus. J'oubliais, parlons un petit peu de cette courbe. Hein. C'est bien. Hey, les scores qu'on fait, les fichiers carto qu'on fait ici, on essaie de ne pas dénaturer la voiture. Donc on a vu, hein, d'origine c'était lisse de chez lisse. Là sur le couple, on a un petit peu de... Ben voilà, ça burn sur les rouleaux. Et puis la puissance, elle monte en flèche jusqu'à ce que ça se complique un petit peu à cause des températures d'admission. C'est évident, hein, un moteur comme ça avec un rendement comme celui-ci se doit d'avoir les meilleures conditions pour sortir le meilleur score. C'est pas mal tout de même. Alors ici, comme d'hab, la courbe d'origine... Et là, maintenant, la courbe modifiée. Alors, ça oscille un petit peu, comme ici, mais évidemment, hein, c'est compliqué, hein, de faire passer la puissance sur ces deux petits rouleaux, même si ça s'est globalement bien passé. On a atteint 260 km/h. Hein. Donc ici, on a les tours minutes. On peut aussi avoir la vitesse, la Vmax. Donc 260 km/h sur le banc. Et ici, le couple. Donc quand je vous disais que ça casse un petit peu, c'est ici. On devrait pouvoir monter jusque 650 chevaux très facilement. Mais bon, la voiture dit stop. Donc c'est le jeu. On pourrait augmenter la soufflerie et encore, je pense qu'il en faut pas mal. Alors, on a été obligé de mouiller les pneus, évidemment. Je m'installe, je ne vante pas les mérites de cette voiture. Elle est très grande, c'est évident avec un peu de recul. Alors le client vient du bout du monde, Brest. Alors ça reste la Bretagne, mais il y a quand même 200 km. Donc c'est pour ça aussi qu'on l'a eu assez longtemps. Ce qui profitait d'un aller-retour pour déposer la voiture et la récupérer. Parenthèse, hein, on va aussi faire la révision de la voiture. Vidange moteur, installer un filtre BMC et peut-être d'autres accessoires si ça arrive en temps et en heure. C'est vrai que les délais, c'est un problème. Parenthèse terminée, allons essayer ce monstre. Il n'y a pas d'autre mot. Ce qui est génial, c'est les raccourcis. Et dans une M4, ça marche aussi. On appuie sur M2, j'ai configuré mon mode. On est tout full avec un poil d'assistance. C'est parfait. Oh, le volant n'est pas électrique, c'est rigolo. Hop là, il y a la nouvelle. Qu'elle a plus beaucoup de carburant, c'est évident, le banc ça consomme beaucoup. Évidemment la sonorité n'a pas évolué depuis la carto, hein. On n'a pas ajouté de pop and bang, même si ça paraît idiot, l'électronique et la mécanique parfois ça a un lien. Mais là on va exploiter un petit peu plus la voiture. On soupçonnait un mode dégradé qui serait pointé lié à la suppression des FAP, ça n'est pas arrivé. Mais on n'a pas non plus exagéré, même si là on compte pas exagérer, on va forcément prendre plus de tours. La voiture est chaude, mais on chauffe les pneus. L'appareil est dur, mais c'est pas rien. Autant de puissance, autant de couple. Il faut que j'arrive à contenir ce que je ressens avec cette voiture. Je vous l'ai sûrement dit dans la première partie de la vidéo, mais le temps a passé. Le confort de tout et la finition, les ajustements de tout, les palettes au volant sont juste magiques. Une Porsche n'a rien à envier, c'est évident. Vous voyez, je me sens vraiment très bien dans ce siège, mais je vous l'ai dit, je arrête de vanter les qualités de cette BMW. On est en troisième. Le MDM bride la voiture, c'est clair. Est-ce
déjà, mais un électronique qui est censé maîtriser cette valeur, là elle est un petit peu débordée. Et bon, les pneus sont pas tout à fait chauds non plus, mais c'est violent et c'est assez frustrant. Là, la voiture est totalement bridée par l'électronique, donc finalement, on va l'enlever. Alors, je suis un petit peu perdu, c'est rigolo dans une BM, j'ai pas l'habitude. Un petit pétinage. Et là, ça devient cool. Oh, 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 oh. Pardon, ça laisse des traces. On arrête. Alors, la deuxième est juste radicale. Hein. C'est une violence extrême. Hein. Et ma foi, il faut se méfier parce que si on va vite, évidemment que ça va patiner et qu'on va se retrouver en faute. Mais là, je suis en deuxième, j'accélère pied dedans, la voiture reste droite, motrice parfaitement et en fait laisse deux traces gentilles. Hein. On n'a pas essayé de faire de la fumée. Vous pouvez aller voir les vidéos précédentes de la M392 G-Power, ex-G-Power qui devient une ESS. Et ben, ça fumait beaucoup. Là, j'ai franchement pas fait exprès. Alors, je vais même pas essayer la première, évidemment. Là, c'est dingue. Ça reste droit et tout. Le volant bouge même pas. Ouf. Nous avons vu ce que ça fait en deuxième. C'est rigolo. En troisième, on sent que... C'est pas la même. Hein. D'origine, j'ai essayé sur cette même route... La M3 noire que vous avez vu dans la vidéo, la M4 pardon, avec les sièges compétition. Et sur cette, peut-être pas sur cette même route, mais j'ai un doute quand même. Exactement la même route, j'ai essayé le Nürburgring Piolet, la version X-Drive d'origine. Voilà, on n'est plus dans le même monde. Ouais, j'ose même pas rétrograder, c'est un truc de fou. Propulsion, on n'use pas trop. Moins, hein, il n'y a pas de boîte de transfert, il n'y a pas de cardan à l'avant, il n'y a pas de transmission. Donc voilà. Alors la caméra cadre pas très bien, mais faut ne pas lui en vouloir, ça. C'est génial. Je suis parfait, on va pas se plaindre. C'est une voiture vivante, on l'a dit plusieurs fois. C'est ça une BMW. Je vais même pas jusqu'au rupteur tellement je me dis qu'est-ce qui va se passer. C'est sûr, ça marche. On pourra essayer peut-être. Hein. Il y a d'autres projets qui arrivent. C'est pour ça que cette vidéo finalement serait courte, qu'on pourrait pas tout décrire. C'est finalement pas mal. Et j'avoue qu'il y a tellement de puissance que ce qu'apportent les cales, on n'a pas bossé sur le châssis en soi, mais ça viendra. Il y aura d'autres projets, c'est certain. Mais le budget, par exemple, ça c'est quelque chose qu'on n'a pas abordé. On est à environ 2 500 € de matériel chez Super Sprint, hein, la suppression du FAP et des catalyseurs secondaires. Et ensuite, on est... encore remis la radio. Et en fait, la partie carto est relativement chère puisque ça inclut un déblocage, hein, on en a parlé plusieurs fois, via une société extérieure, en Finlande notamment, hein, pour vous donner nos petits secrets. Ça fait un budget total de 2 500 € pour la carto également,
ce qui nous fait un budget total de 5000 euros. Donc c'est bizarre, on est quasiment au même prix pour les pièces et pour la partie développement carto-moteur. C'est assez peu commun puisque finalement en général c'est beaucoup moins cher une reprogrammation moteur. Et ce que je voulais dire c'est qu'en fait le rapport sonorité prix est vraiment là par rapport à un Acra qui va coûter 10 000 euros. On a juste ce qu'il faut. Et concernant les gains, on a quand même une centaine de chevaux, hein, 150 et 200 Nm, un petit peu plus même, pour cette prestation. Donc attention, hein, si on inclut une reprog moyenne sur ce genre de véhicule, à environ 1 500 euros et un échappement souvent hors de prix à 6 000, 8 000, 10 000 euros, franchement, je pense que on a encore une fois bien conseillé le client. Je trouve ça très raisonnable et finalement très rentable en termes de gains et de résultats. Allez, je vous dis Kenavo, la M3 G80 arrive dans les prochains projets et encore un plaisir de travailler sur une BMW. Merci à Motortech, hein, pour la partie gestion moteur. Merci à tous de nous suivre. N'hésitez pas à vous abonner, c'est très important pour notre chaîne. Et puis voilà. À bientôt.